Salut Monsieur Molimou. Bonjour, ça va bien. Alors, tu as attaché tous les animaux, c'est bon? Oui, c'est bon, ils sont tous attachés. D'accord. Donc là, maintenant, vous faites partie donc, des éleveurs délégués du réseau Sésame? Effectivement. Ouais. Et donc là, vous faites aussi les formations avec les autres éleveurs? Oui. D'accord. Ouais. Et là, est-ce que récemment, vous avez eu des problèmes de santé là, sur les animaux? Des fois, oui, mais je vois que depuis que la Sésame a ouvert ses portes, la santé animale s'améliore. Vous voyez, hein, le réseau Sésame, là, aujourd'hui, donc, il est centré sur Mayotte, mais il est en lien avec le réseau Animal Risk qui couvre toute la zone océan Indien. Et le but, c'est de savoir quelles sont les maladies qui peuvent être introduites sur le territoire maoré et affecter nos vaches, nos petits ruminants, nos volailles. Donc, on a une meilleure vision des choses. Et aussi, grâce à un autre projet européen qui s'appelle Renémerge, on a pu effectivement avoir un laboratoire digne de ce nom, avec toutes les capacités analytiques. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui capable de faire des analyses que l'on n'était pas capable de faire auparavant. Et voilà, c'est bon. Dans le cadre du réseau Sésame, le système d'épidémiosurveillance animale à Mayotte, en fait, on a créé cette structure de surveillance dès 2008 pour un peu mieux cerner les maladies qui existaient sur le territoire maoré. Le travail du Sésame se fait en lien avec le réseau Animal Risk, qui est un réseau à l'échelle de l'océan Indien. Et le but, c'est de savoir tout ce qui se passe dans toute cette zone de façon à mieux contrôler l'émergence de nouvelles pathologies. Et aujourd'hui, dans toute la zone océan Indien, nous avons des investigations particulières pour mieux cerner l'épidémiologie de certaines maladies, comme la fièvre de la vallée du Rift, qui est une fièvre hémorragique virale qui peut toucher l'homme. On a pas mal de maladies zoonotiques, c'est-à-dire à l'interface entre l'animal et l'homme. Et donc, on prend en considération cette dimension une seule santé, la dimension One Health, où on essaie de travailler autant sur la santé animale que sur la santé humaine. Grâce à des projets comme Renémerge, on a pu achalander nos laboratoires, on a aujourd'hui du matériel digne de ce nom qui nous permettent justement d'avoir des investigations soit au niveau moléculaire, soit au niveau sérologique. C'est par ce biais-là que nous pouvons aujourd'hui essayer de répondre aux préoccupations et des éleveurs mais aussi de la santé humaine en identifiant de manière précise les virus ou les bactéries, voire même les parasites qui circulent dans la zone.